Manuel Valls qui a surpris tout le monde hier. L'ancien Premier ministre envisagerait de se présenter à la mairie de Barcelone. Barcelone, t'es marre. Sempre nothing good. Oh là là, decidit, accepto, serai candidat. 3 ans après sa conquête ratée de la mairie de Barcelone, l'ex-Premier ministre français quitte le conseil municipal. Moi, je m'appelle Manuel Valls. Moi, Manuel Valls. Manuel Valls. Manuel Valls. Manuel Valls qui finance sa campagne ibérique. Le journal El Nacional a révélé qu'une association de patrons espagnols appelait ses membres à financer des réunions publiques de l'ancien Premier ministre français. Le secrétaire général du Cercle des chefs d'entreprise de Madrid demande à plusieurs sociétés de l'argent pour financer 2 journées, une à Barcelone, l'autre à Madrid. Les coûts s'élèveront à environ 40 000 euros. Merci de me confirmer votre soutien financier. Segons una investigació del diari Ara, Valls hauria demanat una retribució neta de 20.000 euros al mes durant el període electoral. Tots els honoraris, moi je m'appelle Manuel Valls. Et piégé à la télévision, tiens, sur le prix du ticket de métro. Pouvez-vous me donner le prix d'un ticket de bus ou de métro ? Acabem de parlar de temes. Écoutez, on vient de parler de sujets très importants. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Après, vous allez me demander le prix du pain ou que sais-je encore. Non, non, estic... Non, on parle simplement du ticket de bus ou de métro. Bah, quand je prends le taxi, ça me coûte entre 7 et 10 euros. Rentrer dans ce débat, ça n'intéresse personne. Ce qui nous intéresse, ce seront les vrais problèmes des Barcelonais. Alors, répondre à la question du ticket de métro avec le prix de la course de taxi, ça ne fait pas très proche des préoccupations du quotidien. El Diario s'intéresse aux bourdes de Manuel Valls sur les réseaux sociaux. Alors c'est un travail de barcelonisation, ça c'est ce qu'écrit El Diario. Manolo fait trop appel aux clichés. Il pose dans les lieux les plus touristiques de la ville, le marché de la Boqueria, la rue de Petrixcol où on le voit en train de déguster des churros au chocolat chaud. Churros au chocolat chaud. Pour que c'est le président. Emmanuel Macron, j'aurais aimé être à sa place. Oui. Pour que c'est le président. On casse gitanous. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer là-bas. Casse gitanous. Pour s'effondrer une petite. Non m'importe si c'est de droite ou de esquerre. Dépasser les clivages droite-gauche. N'importe si c'est de droite ou de esquerre. Moi j'ai ma belle main, Noël Valls. Se moquer du départ de Manuel Valls avec ce clip partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Moi j'ai ma belle main, Noël Valls. Encore plus fort que le virus, mais oui, Manuel Valls est revenu malgré les gestes barrières. C'est méchant ça. Ça c'est méchant, mais bon, ce sont les dessinateurs. Et heureusement, on vit avec ces caricatures. Vous pouvez pas. Ce clip partagé des milliers de fois. C'est ce que disait l'autre, hein, pourvu qu'on parle de moi. Ah bon, c'est ça. Moi j'ai ma belle Manuel Valls. Tournerai Paris.